Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer le principe HPLC pour doser les additifs dans une boisson gazeuse. Donc ces additifs sont l'aspartame, la caféine et le benzoate de sodium. Premièrement, pour faire l'injection, on va la préparer avec Run Control ici. On va dans Simple Info, on va rentrer les informations d'injection, puis du Pepsi Diet. Et on va faire Run Method pour préparer l'injection. Ici, on va faire Oui. Donc on est prêt pour l'injection. Donc ici, j'ai préalablement ma solution 1 dans 100 pour mon Pepsi pour rentrer dans la courbe de talonnage. Donc, par ici, il y a la boucle d'injection qui est en position load pour envoyer de l'échantillon à l'intérieur. Donc, on va la normaliser avec environ 2 millilitres. La boucle d'échantillonnage de 20 microlitres. La normalisation se serait terminée. Donc, pour envoyer l'injection, elle se fait automatiquement avec le programme. On envoie à Inject et l'analyse est débutée. Comme on peut voir, le chromatogramme qui va se former. C'est tout.